Salut à tous, c'est Megiddo. Nous voici donc en 91, toujours pour Konami, avec Dracula Densetsu 2 sur Game Boy. Le jeu est donc sorti en 91 au Japon, puis aux États-Unis, et pour une fois, l'année suivante, en 92, en Europe. Donc, c'est donc le deuxième Castlevania sur Game Boy. Bon, puis je vais taper un peu l'intro, comme ça, version Jap. On va y aller. Bon, on démarre. Bon, là, il nous faut un petit délire à Megaman, à savoir ce qu'on peut voir, c'est on peut choisir son niveau. Donc, moi, je prends le premier pour. Le château de cristal. Ah, pour une fois, ils nous ont fait un effet de courant, pas mal ça. Là, pour une fois, on va dans le sens. Ah, ça a été fort back. Et mais je peux la faire, saleté. Mais crève, saleté. Ah, je l'ai eu. Ah. Donc alors, graphiquement, le jeu est un peu plus détaillé que le premier. Je vais voir un coup si je peux récupérer ce qui est en bas. On reste quand même dans l'idée du premier, quoique. Parce que je vois, on récupère du gameplay de la NES. Donc les armes bonus, ça c'est pas mal. Les cœurs qui servent à nouveau à l'utilisation des armes. Oh, c'était trop tôt. Par contre, on n'a toujours pas les escaliers. On a toujours ces satanées cordes. Allez hop. Et faut que je me retape tout le trajet. Allez hop. Donc ouais, donc graphiquement les sprites sont un peu plus gros que la version précédente. Les décors sont plus détaillés. On commence à avoir une vraie ambiance Castlevania. Et hop. Oh, c'était juste pour un cœur. Oh non! Je crois qu'on a les pieds. Ah. Saute un cœur, une pièce. Allez hop, musicalement ça reste dans l'idée du premier, donc l'ambiance musicale est bonne. Le gameplay, bon, le personnage a toujours été J'ai toujours l'impression de lourdeur avec le personnage. Quoique c'est un peu plus atténué que dans le premier, ça c'est bien. Voilà, allez, monte, mais monte! Les sauts sont toujours approximatifs. Ce qui est un peu décevant. Allez, allez. Oh non, pas encore cette satanée. Ah, maintenant on peut se servir du fouet sur les cordes. Ça c'est bien. Oh, yeah. Oh, yeah. Eh ben, je suis mort.
Ah, l'épisode là est un peu plus dur que le précédent. Allez. Des sens, ça tue. Ouais, donc le gros défaut du jeu, ça reste encore la jouabilité du personnage qui est vraiment moyenne. Hop, hop, y a rien pour soigner ici. Hein. Avec un point de vie, je suis mal barré. Et ouais, je suis encore mort. C'est donc là qu'ils vont continuer là? Ouais. Bon bah on va essayer notre niveau. On va essayer le suivant. Le château des nuages. Allez. Tiens, crève-toi. Allez hop, avance. T'as des feux derrière qui clignotent. Simpliste, mais pas mal. Allez hop, pièce suivante. Allez. Tiens, saleté de plateforme. Ah, ça m'énerve, il faut attendre. Voilà. Je vais retaper le trajet. Je sais que ça va foutre. Ah. Allez. Hop. Hop, allez, je monte. Ah, l'eau bénite. Crève, ça te fait sourire toi aussi, allez hop. Allez, allez. Hop, suivant. Ah, j'y ai cru là. Hop. Ah, le boomerang, ça c'est bien. Ou la croix, enfin, jamais su trop ce que c'était. Ah, je commence à maîtriser. Oh non! Oh le con! Eh, il nous faut quand même une petite flaque de sang qui coule en dessous! Pas mal, ça n'avait pas fait gaffe! Allez hop, hop, elle monte! L'eau bénite! Une pièce! Je n'ai pas le temps de voir ce que c'était. Un cœur. Putain, saleté, je vais me faire crever par une story. Ah, mais dégage, saleté. Oh non. Oh. C'est ma dernière vie. Puis après, j'ai retrouvé. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Monte. Putain, je crève ici alors qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Hein.
Oh non! Bon, bah, j'arrête là. Je vous ai vraiment montré deux niveaux. Je vous laisse découvrir le reste. Donc, c'était Dracula Densetsu 2. D'ailleurs, Dracula Densetsu, ça se traduit par la légende de Dracula. À savoir, donc, Castlevania 2, Belmont Revenge. Donc, c'était sur Game Boy en 91. Bon, on se retrouvera donc pour le prochain. Alors, le prochain épisode de Dracula de Castlevania sur Game Boy. Allez, à plus!